Bon, c'est que Serge, vous avez, ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur la carte Firebase. Donc, on est sur Rising Storm de Vietnam. Donc, on est en territoire. Donc, c'est une première pour moi. Je ne connais pas cette carte. C'est la première fois que je tombe dessus. Alors, déjà, premièrement, on n'a pas donc, le commandant qui est disponible. On a, j'ai l'impression, des classes en moins. Bon, on regarde le grenadier. Puis, on a moins de possibilités. Tu vois, on peut avoir un mitrailleur, un tir d'élite, un ingénieur de combat, un grenadier. Basta, c'est tout. Par contre, en contrepartie, tu peux avoir donc deux hommes de pointe et pas tout le monde là-dessus. Bon. L'idée c'est de jouer donc avec le pointe et jouer au fusil à pompe parce que la carte apparemment c'est beaucoup de tranchées. Moi je préfère cette version. Allez, on va rejoindre les squads. Est-ce que j'ai mis mon petit casque? Ouais, c'est bon. Ok, et ben let's go hein. Alors, comme je disais, je ne connais pas la carte. Donc apparemment beaucoup de tranchées. Ok, ça vient juste de débuter, on a capturé donc le quartier général, le HQ. Headquarters, je crois que c'est donc... pas mal, ouais, pas mal de points de tranchée apparemment. Donc ce point, je pense qu'il a dû être sacrément simple à... enfin un peu plus simple à apprendre. C'est le premier forcément. On va essayer d'aller voir B. Putain, il est pile dessus donc je vois pas forcément ce qui est marqué, donc faire gaffe parce que... Bravo is being attacked. Je l'ai eu, tu vois. Le pompe il est vraiment parfait parce que il passe à travers tout. T'as un fort pouvoir de pénétration et franchement c'est top. Alors par contre, tu vois, on pourra jouer un peu à la mode pupute. Okay. Allez, je peux les faire péter, mais j'ai jamais fait, enfin, jamais fait gaffe. Je sais pas si je peux, je suis obligé de les faire péter ces quatre. Il me semble que je peux les faire péter normalement avec. Excusez-moi, je suis concentré. J'ai une sorte que je peux les faire péter sans avoir à... Voilà. We are taking Charlie. Alors, mon petit dôme me dit que ça va... spawn là-dedans. Ou camper. En l'occurrence, ça camper. Ah, bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. Normalement, je suis à 3 kills. Ok. Donc c'était quoi l'autre point? On n'a pas fait gaffe, le point B. Putain dommage, on peut pas voir. Bon, on va passer sur le chef des squads. La carte franchement, est, je kiffe parce que c'est de la... vraiment, c'est axé vraiment infanterie, combat rapproché. Bon, même si les maps dans le territoire sont en ligne infanterie, là c'est clairement que ça. C'est vraiment super... enfin les combats sont super proches. Et là le pompe a vraiment une vraie utilité et c'est ça qui est cool. On va perdre la partie. Bravo is being attacked. Bien joué, bien joué, bien joué. Forcément. Il défendait sa position. Bravo is being attacked. Retreat. Ok, on a perdu. Victoire. Ok, c'est normalement la première manche. Tant mieux. On va normalement faire une manche en défense. J'espère qu'ils seront un peu plus futés que nous. Bon après dans l'ensemble la carte c'est quand même pas mal hein. Moi je la trouve super cool. Swapping sides. Non, 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 non. Il se fout de ma gueule. Mais attendez, moi je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. On va voter non, je ne veux pas changer de carte pour commencer. Et ça serait bien, j'aimerais bien avoir le choix en fait dans les classes. Voilà, à mon avis tu tombes dans les pics, tu meurs. Je peux pas m'amuser. Ah donc mess hall, donc c'est le mess tout simplement la salle de... l'ordinaire pour manger tout simplement le mess. Et pour l'autre point, j'ai pas fait gaffe ce que c'était. Gun pit. Ah, ok. Vraiment, bravo le vous. Bon, changer de rôle. Voilà, ok, donc là on a un fusil à pompe. Moi je veux rester au fusil à pompe. Je vais voir un petit peu les configs.
On va garder le base. Hein. Le base, il est moins maniable, mais forcément, enfin, il se voit plus facilement, il est moins maniable, mais je fais quand même encore pas mal de dégâts. Rejoins. Alors tu vois, côté vietnamien, tu ne peux pas tout simplement te déployer sur le chef d'escouade, mais il peut construire un tunnel. Bon, c'est pour action tu le réalisme, mais le truc, c'est que la plupart, bah, ça, ils le savent pas. S'ils le savent pas, que tu puisses fabriquer, enfin, que tu puisses mettre un tunnel. C'est assez dommage, d'ailleurs. Putain, sérieux. Bon, c'est pas une bonne idée apparemment d'aller là-dedans. Parce qu'il y a monsieur Lance-Flamme qui est en train de s'amuser, donc c'est pas l'idée. Putain, par contre, oh putain, j'ai déployé, je me suis déployé sur le côté. Je sais pas. J'ai jamais eu spawn. C'est le spawn d'enfoiré que j'ai en fait. We have lost Charlie. Non, c'est une blague. Là, franchement, c'est une blague. Franchement, là, c'est... le mec, il a rien compris. Il est censé être en attaque, il défend. Il tempo. J'aimerais bien voir vers où je suis mort, mais peut-être que je suis mort bien sur le côté, mais enfin... Je sais pas. Le mec, il doit se faire chier, tu vois. Bon, je vais acheter un jeu à 30€, mais... contrepartie, je vais pas utiliser mes touches pour me déployer. Je suis un manche, t'es le mec. Je te jure. Y a pas de jambes. Le gars, c'est on appelle l'homme buste. L'homme, enfin l'homme demi-bus, que il a forcément ses bras, mais bon. Oh putain, fais chier. Et c'est devant mon pote. Ah, c'est pas moi qui l'ai tué. Ouh, la grenade. C'est mine, enfin c'est les pièges à... On va essayer de passer par là où ça va tirer. Là, je suis plein. We are taking Charlie. Ah, tu vois, ça c'est l'idée vraiment de jouer team play. Parce que tu as la possibilité... Putain. Ah putain. Ah PG. Non putain, et c'est un pote qui me tue encore. Et putain, je te jure, je m'étonne qu'ils se sont fait quand même exploser les Vietnamiens. Si j'y suis, mais qu'ils étaient pareils dans la vraie vie. Bon, on est quand même mort, je crois, 3 ou 4 fois par un pote quand même là. Bon, si on enlève les comptes le nombre de fois où on est mort, on reste quand même encore en positif, normalement, si j'ai bien calculé. Mais c'est vrai que ça, putain, ça te fout le mort, la mort et l'ultimate kill sur ce jeu. C'est clairement, enfin, faudrait vraiment des vraies pénalités, tu vois. Ah putain, l'enfoiré. J'aurais dû attendre. J'ai fait le fou. J'aurais dû attendre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bravo is being attacked. We are taking Charlie. Il a quand même bien placé son tunnel. Ah, je l'ai bien joué. Ça a bien joué pour moi. Bravo is being attacked. Je suis pas serein quand je regarde la map, tu sais. We have a taken Charlie.
Voilà, ça c'est l'idée. C'est l'idée que dégage ce piège. C'est que ça va faire une jolie explosion et ça c'est cool. We have lost Bravo. Alors ne me posez pas question, est-ce que les... Est-ce que les pièges disparaissent quand on meurt? Je ne sais pas, putain, eh. Y en a, ils ont tout compris, hein. Franchement, ils comprennent pas le mode, c'est de l'attaque. Bon après, il n'y a pas de kick-up, donc je ne sais pas si ils venaient de rapade ou s'ils campaient. Je ne peux pas non plus avancer certaines choses. Alors on va voir si nos pièges ont disparu. We are taking Bravo. J'espère pas. Ça va me faire chier de devoir en reposer. Parce qu'on prend quand même du risque, hein. Faut pas dire, mais voilà. Ok, là c'est un collègue. Au moins ça ne me tue pas. We have a taken Bravo. Piège. Ah, putain. Enfoiré. Oups, oups. Sorry. Tu dégages. En fait, tu vois, j'ai rien à craindre parce qu'encore il y a la mine, donc si je le vois passer. T'avais pas d'arme toi. We have a lost Charlie. Je l'ai vu d'un moment. Néanmoins ça passe avec de la fumée. Normalement. Ah tu vois ça m'affiche mes mines en fait si je fais ça voilà. Bravo is being attacked. Tu n'as pas compris que je voulais qu'il lâche ça. Bien joué, bien joué. Ça vraiment c'était bien joué. Bravo is being attacked. On va essayer de se déployer un peu ailleurs. Bah, quoi qu'on va rester. Parce qu'en fait on a l'avantage du tunnel, c'est qu'il est sur le côté, donc bon. On peut les flanquer assez facilement. Ça a pété, est-ce que j'ai tué quelqu'un? C'est une de mes mines qui a pété donc. Ah oui j'ai tué quelqu'un regardez. Bravo is being attacked. Ça c'est cool. Ça c'est vraiment cool. Joué. Putain il m'a fait sursauter le con. Bon bah, et si on avait moyen... Ah ouais, regarde, en fait, je viens juste de me rendre compte. Il n'y a que 4 points, t'as vraiment très peu de points. En fait, moi je pense que ça continue toujours comme ça, mais non, 4 points. C'est pour ça que, bon, vu que la carte est assez réduite, c'est pour ça que les affrontements sont assez... tenaces, on va dire. Non, sont assez réduits. We are taking Charlie. Bravo is being attacked. We are taking Charlie. Et voilà. Alors je sais pas s'ils le voient eux. Je pense que oui, parce que enfin, quand même. Oh putain, je peux te planquer là et tout. Je pense que oui, parce que ce serait un peu con pour eux, tu vois. Ouais, faut vraiment avancer comme ça. Oula, porte qui sonne.
Bien joué. Putain, je l'ai même pas blessé. Je vous permets de boire. Ah, par contre, un truc qui est bizarre, mais les mecs... Moi j'entends, enfin j'entends pas autant, en tant que ça. Mais par contre ils t'entendent, c'est rien que ces mecs. Le gars il peut te repérer une mouche à, je sais pas, à 100 mètres. T'es... Ah, là il y a une mouche qui arrive. Putain ta gueule le portable. Bon l'idée voilà, c'est ici qu'il faut faire gaffe. We are taking Charlie. Ah, on a perdu point C. Toujours pas ma mine, c'est cool tu vois. We are taking Charlie. Alors on va vite recharger. Allez, mène-toi le cul. Bravo is being attacked. Bravo is being attacked. We have a taken Charlie. Je vais reclamer une nouvelle fumigène. Il m'a vu. What? Mec, il a eu un réflexe. Oh putain. Non, c'est putain ce qui m'a mis le mec. Incroyable. Par contre, tu vois, il y a des trucs que je comprends pas. C'est pourquoi ils ont un pompe qui one-shot. Parce que dans le cas, hein, il os. Moi, j'ai pas un pompe qui one-shot. Putain, d'où il sortait, lui. Ah, moi, j'ai un pompe qui ne one-shot pas. Eux, ils ont un pompe qui one-shot. Et j'ai que deux cartouches. Tu m'expliques, c'est quoi le problème? Je veux pas, sinon on va rendre les choses vachement plus compliquées. Bah non, bon, j'ai sûr ma vie. Bon, le mec, il doit y être encore. C'est sûr à 95%, tu dois y être encore. Bon. Ça va nous tuer, parfait. Oh putain, j'aurais pu passer par là, au début. Je l'ai eu. Oh putain, je l'ai eu. Victory. Yeah, super. Bon, alors je sais pas, j'ai pas calculé combien de fois je suis mort. Bon, je pense que je dois être à peu près kiff kiff si j'enlève les team kills. Sinon avec les team kills, je suis bien sûr mort plus de fois que j'ai tué d'américains. Du coup, bon, il y a des games avec, il y a des games sans. Comme vous pouvez voir, c'est avec le DP28. Bon, j'ai fait quand même un carnage. Là, j'essaie de rusher un peu plus avec le pépon. Voilà, du coup, on a fait cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a fait plaisir. Moi, c'est en tout cas le cas. Parce que cette map, je l'avais jamais testée. Et vraiment, c'est un gros coup de cœur pour moi. En sens, je vous invite à mettre un petit like si la vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un commentaire. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut tout le monde.